Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Shadow of the Colossus, un jeu qui était sorti à l'époque sur PS2 et PS3 et qui a été remis au goût du jour sur PlayStation 4 assez récemment. Et attention, jetez-moi des pierres ce que vous voulez, je n'ai jamais joué à Shadow of the Colossus. C'est très connu, mais je n'ai jamais testé Shadow of the Colossus. Donc là, ça va être la première, on va tester ça. Donc, activer le mode photo, on peut l'activer à la limite. Activer le HDR, requiert un écran compatible HDR, pardonnez-moi. Mode haut-parleur, home cinéma. TV, casque, on va mettre en casque. Mode nuit, non, on n'est pas. Ce mode permet de jouer avec un volume sonore faible. Oh, ça c'est pas mal. Donc là, on est en plein jour, pas besoin. Donc, et ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas pour ceux qui disent Kiki, tu es fatigué, si cela. C'est rien, c'est comme d'habitude, c'est parce que j'ai très mal au sinus, donc du coup j'ai des tout petits yeux. Mais c'est rien du tout. Hop. Oh le bruit, ça fait un peu comme dans les experts. Toutou. Votre progression est automatiquement sauvegardée lorsque vous jouez. Donc on va tester ça. J'entends de cinématiques, on part sur un truc qui est plutôt pas mal. J'aimerais bien aller regarder après les cinématiques, par contre, la tête que ça avait sur PlayStation 2, PS3. Alors, très très joli. Donc du coup, paramètres, par contre, je vais juste faire un petit truc. Au niveau de l'audio, ça me perturbe à chaque fois ce audio manette. Aucun, je pense. On va voir si je vais le mettre pour voir ce que ça donne quand même.
Peut-être au niveau de l'affichage. Non, en fait, ce que je voudrais faire, c'est par rapport aux sous-titres. Ah, voilà, donc on a les sous-titres, en fait. Ça, c'est bon. C'est ce que je voulais. Par contre, affichage, je viens de voir un truc filtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ça, on peut lui coller un filtre. Alors, par contre, le filtre lumineux, ça, je trouve, il y a carrément plus de... C'est moins terne, en fait. L'image est beaucoup plus... Oh! Putain, c'est pas mal, hein! Au niveau du filtre, ça, j'aime beaucoup. Écoutez, je vais le mettre en... glacial. Oh, la vache! Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Mode nuit. Putain, mais c'est hyper beau! On va le mettre en comme ça, pour que ça ressorte un peu plus. On va le mettre en comme ça, c'est tout. Allez, c'est parti. On va commencer. On démarre. Nouvelle partie. On va se mettre en normal. Was you hic Aurel yet for all? He could you be kuka? You'll solu ion do. You little cock. I use the yula called Oloya. Olic, Olazulam, cos. Il's a very cool at Zoko. I'm not screwed. Laomism warp. Was you a dealer also? View how this is view. I call all kids adore you, Lola. Is this was I look? How me's quick.
どうしてハイルはウキウアイコア。ウジズヒアズウォーズドコ。ワジノルデキョウティウイラ。アイウォーズ。アウィウリ。ユアイズン。ドルミ。キュート。イズキュンク。 It is all of you, Ivelico. It's not all amusement. A little click, if the least to is. What's so? Is you are? Ivelico, what's is you? I'm not cool. Zanada. It were error. I
Ça y est, je pense qu'on va passer en phase de gameplay. Ça y est, on va pouvoir jouer. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Si, ça y est. Putain, graphiquement, ouais, il est pas... Il est pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. Alors, par contre, je crois qu'on l'avait, ça, l'histoire du flou. Attends, on va regarder dans les paramètres au niveau de l'affichage. Le flou. On va le virer. On va voir. Ah, voilà, c'est... J'ai du mal à jouer quand j'ai du flou comme ça. Ok. Donc on, là, on a l'épée. Ah, donc les rayons se dirigent là-bas. Ok. Je pense qu'on peut prendre le cheval. Yes. Alors, levez votre épée avec R1 quand le soleil brille. Regardez où il se concentre. Attendez, j'ai un... Ah oui, d'accord, ok. Juste le temps de gérer. Ok. Ça y est. Ok, c'est bon, on est bien, on est bien. Donc, c'est en face qu'il va falloir aller. C'est là. Ça se concentre par là. Ce qui est moyen d'aller encore plus vite. Plus vite! Ok, la carte. Ok. Putain, il est vachement beau graphiquement. J'aimerais bien voir à quoi il ressemblait. Il ressemblait pas du tout à ça déjà de sûr sur PlayStation 2. Ça ressemblait pas à ça. Faudra que je regarde des images pour voir à quoi ça ressemblait. Quelque chose là, non? Allez, on y va, hein, à fond. Bon, ça va déjà. Déjà, graphiquement, il est hyper beau. J'ai hâte de passer en phase de gameplay, là, pour voir ce que ça va donner un petit peu. Allez, monte tranquille, pépère. Bon. Arrête-toi. Je pense qu'il va falloir descendre et grimper. Ah voilà, j'étais sûre. Alors, ah ok. Alors. Il faut retrouver par où monter. Hein. Je pense que ça va être par là. Même pas. Que grimper là, pas du tout. Ah ok, donc il peut s'accrocher à ça. Ok, on va monter. C'est vrai que c'est pas évident de savoir au tout début sur quoi on peut monter, sur quoi on peut pas monter. Il veut pas. Allez, monte. Voilà. Ok, donc on a une jauge sur le côté. D'énergie. Enfin, d'endurance. Alors. Je pense qu'il va falloir passer par là, du coup. Ouais, c'est ça. Nickel. Là, on est bien. Ah, pour effectuer une roulade. Ok. Ok, ok. Nickel. On est pas mal, on est pas mal pour le moment. Alors attends. Je pense qu'il peut grimper sur ce pilier quand même. Si t'es flemmard. Ok, là non plus. En fait, il faut que j'arrive à trouver. À comprendre comment il s'agrippe en fait.
Merde. Là, je suis tombé, bravo. Hop. Ah bah si, c'est ça. Bah si, c'était bon. Est-ce qu'il peut genre sauter directement derrière? Eh ouais. Type en mode Assassin's Creed. Ça c'est cool. Oh là. Bon, on va prendre ça. Avec ça. Oh le machin. C'est vrai que je peux lui tirer dessus. Oh là, oh là, oh là. Je vais essayer, allez. Par contre, la visée... Alors, si je puis me permettre, je crois qu'il est carrément vénère, là, Michel. Il va m'en coller une, là. On est d'accord. Attendez, parce que la visée, là, c'est un peu le... Un petit peu du mal. Tadam. Il doit y avoir un truc, il doit avoir un point faible parce que ça met beaucoup trop de temps. Ouais. Oh! Il a voulu m'écraser, dis donc. D'accord, il faut changer d'arme. La tête? Ok. Donc le point faible, c'est le dessus de sa tête. Oh putain! Oh! Oh la patate! Oup! Pas grave, on va courir, hein! Hop! Pas facile au niveau de la visée, hein! Il a qu'un seul point faible? Non, il en a plusieurs. Ok, sa tête, c'est bien. Ok. Vite, change! Ok, donc derrière, il a un point faible. On se concentre, hein. Et
escalader le colosse pour atteindre le point faible. Peut-être l'escalader à partir de... Non, dégage, dégage. Ok. Là, j'ai compris. Monte. C'est un sacré bordel là, non? Tente de comprendre le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je pense que ça y est, je peux monter. Oh là là. Faut que j'escalade. Oh la vache, c'est bien foutu hein. Kiki, quand même, tu connaissais pas ça, c'est quoi ces conneries? Oh là là. Faut que je reprenne un peu de stamina. Non non. Il va me faire tomber. Allez, monte. Accroche-toi, monte! Là! Il est là le point faible, hein. Je vous le dis, hein. On va le tomber, là, on va le tomber. On a réussi! Eh, c'est vraiment bien foutu, hein. Franchement. C'est long à comprendre quand tu connais pas du tout le système. Mais alors après, c'est super bien foutu. Une fois que t'as compris, c'est nickel.
Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Shadow of the Colossus. En attendant, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Et même si vous le connaissiez justement avant sa sortie sur PS4, puisqu'il est pas, il a pas été sorti directement sur PS4, c'était disponible sur... C'est un vieux jeu à la base qui a été remastered pour la PS4. Donc dites-moi justement si vous le connaissez, si une deuxième partie vous intéresserait à la limite. Et ça, par contre, je le ferai carrément en live, la deuxième partie. Puis comme ça, j'aurais pas besoin de faire que 30 minutes. En fait, je pourrais jouer pendant 2-3 heures en live. Et après, je vous posterai justement la partie en question sur YouTube. D'où l'importance de me suivre sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram et tout le bordel, parce que c'est là où je donne le maximum d'informations quand je pars en live. C'est Twitter principalement où je vais vous dire je pars en live tout de suite sur Shadow of the Colossus, donc rejoignez-moi. Donc d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux, les copains. En attendant, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.